ça m'arrive, il fallait bien que je me retrouve dans le diocèse de Rimouski et de son amas de bourgade. Si au moins c'était survenu aux trois pistoles, j'aurais peut-être trouvé à m'y orienter. Mais ici, rien à l'ouest et rien à l'est. Bien pire que le chemin de Damas. Et comme si ça suffisait pas, cette vessie à soulager. Je connais bien que vous ne flottiez pas dans le trou, monsieur Chanoine. Moi, tout là, avec les tripes, on fait boudin avant le temps. Le problème, c'est que j'ai rien pour adouber. Il doit bien y avoir un garage quelque part. Ah, ben, ça devrait se trouver une vingtaine d'arpents par là. C'est juste à côté d'où c'est que je m'en vais mener mon verra. Qu'est-ce que vous avez, à les yeux de même? Oh, rien. Un moment, j'ai simplement cru que j'avais devant moi la réincarnation d'un certain grand vicaire de mes connaissances. Quand la mystique baisse, c'est normal que l'or se mette à monter. Eh bien, si vous embarquez pas dans ma voiture, ça va être malaisé de philosopher tout en s'avançant. Hop! Décidément, on devrait établir la réincarnation comme dogme de notre mère, la Sainte Église. Hop! Je voulais pas vous en parler et Harry partageait mon sentiment là-dessus. Mais tout compte fait, j'ai pensé que c'était mieux de vous mettre au courant. Je suis quand même convaincu que Godin lui-même n'était pas sérieux quand il a proposé qu'on se retrouve tous avec lui pour fêter. Si Godin est aussi malin que vous le prétendez, c'est donc pas un hasard s'il nous fait une invitation pareille. Il y a sûrement une idée derrière la tête. Qui serait quoi, à ton avis? Si Godin s'était mis dans la tête de nous jouer un autre coup fourré à sa façon, sauf tout le respect que je vous dois, M. Tolly, ce serait pas le premier. À cause de l'importance que ça peut représenter, surtout pour Mme Félix, je vous demande la permission de rejoindre Harry, Sophie puis Godin. J'aimerais moi-même accompagner Mike. Parce que t'es d'accord avec lui que Godin pourrait nous jouer n'importe? J'en ai aucune idée. Sauf que Godin représentera toujours un risque tant que Mme Félix sera pas comparue devant la cour du recordeur. Toi, t'en penses quoi? Je trouve qu'on a suffisamment de problèmes à résoudre comme ça sans que ce soit utile d'en imaginer d'autres pour rien. La laisser aller à l'escouade de la moralité serait autrement plus appropriée. Comme je partage ton avis, voici ce qu'on va faire. Odélie a bien aimé que tu lui rendes visite hier. Quand je suis passé la voir en fin de journée, j'ai compris tout le bien que ça lui a fait. J'apprécierais si t'en faisais autant aujourd'hui. D'autant plus que Banjo et moi, on risque de passer pas mal de temps à l'escouade de la moralité. Tiens, une petite liste des choses à apporter, Odélie. Je m'en occupe tout de suite après le petit déjeuner. La journée risquant d'être longue, aussi bien l'entreprendre le ventre plein. Très bien. Non, puis moi, comme d'habitude, je vais me contenter de me tourner les pouces toute la journée. Non. Tu veux te retrouver avec Harry, Godin et Sophie? Mais t'as juste à te rendre à Sainte-Marguerite. Tu sais où est le chalet de Harry? Je passerai pas à côté. Vous pouvez vous fier à moi pour ça. Et l'escouade? Commençons d'abord par déjeuner. L'escouade, on y verra après. Thank you.
trouvé. T'as la mienne toute chaude. J'aime plutôt ça. Tu devrais avoir honte. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vois pas ce qu'il y a de mal à recevoir ou à donner un peu de plaisir. Si t'as mis à appeler ça de la tendresse, je suis pas contre. Si on a un corps, c'est pas seulement pour souffrir. Je peux pas partager ce que tu penses. Parce que t'es prêtre, je sais ça. Depuis hier, t'arrêtes pas de me le rappeler comme si le chanoine Caron rôdait à quelque part par ici. Mais moi, quand je te regarde, c'est d'abord un homme que je vois. Je le trouve pas si mal, tout compte fait. Toi, tu m'as jamais dit ce que tu pensais de mon corps. Ce matin, c'est vraiment pas le moment. Tu vas juste dans un presbytère. Même dans un état de péché mortel, on peut y entrer. C'est pas comme pour la communion. S'il te plaît, Roxane. Retourne-toi pour que je m'habille. Tu veux au moins faire ça? Aussi bien que la femme de Lot, tu vas voir. J'en suis certaine maintenant. Pour être un homme, il te manque vraiment rien. C'est drôle, hein? Tu trouves ça vraiment très drôle? T'es contente? Quand tu vas aller au presbytère, tu veux que je t'accompagne? Tu sais bien que tu peux pas. Pourquoi? Qu'on soit arrivé ici sans avoir attiré l'attention, c'est déjà une très grande chose. Je trouve pas, moi. Parce que personne n'est monté dans l'autobus. Ça avait été le cas. Il y a plein de monde qui se serait préoccupé de nous autres. Ça changerait quoi pour ce que tu cherches à Sainte-Luce? Puis ça changerait quoi pour la visite que tantôt on va faire au presbytère? Pas question que tu viennes avec moi, je te l'ai dit. Tu restes ici. Pourquoi pas à l'autobus? C'est aussi bien caché hier soir que personne risque de me retrouver là. Peu importe quoi, faut toujours que tu gagnes quelque chose. Pour une Madame Curie, c'est normal, non? Maintenant, on peut déjeuner? Quand je serai revenue du presbytère? Je peux pas être à deux endroits en même temps. C'est ou bien ici ou bien à l'autobus. Fais comme d'habitude. Fais comme tu veux. J'apporte le déjeuner, puis on se retrouve à l'autobus. D'accord. Je peux quand même pas faire un trait sur le passé pour le moins ambigu de Tom. Quand Tom reviendra de cette affaire importante sur laquelle il est, toutes ces choses trouveront leur explication. En attendant... Excusez-moi. Achille Gariepi à l'appareil. Bonjour, Madame Blondeau. Comment allez-vous ce matin? Ah oui, j'ai appris pour Urbain et je suis très content pour lui, qu'il aille bien. En le gardant chez vous, je vous trouve très courageuse et je vous en félicite. Bien évidemment, je vous comprends. Mademoiselle Bissonnette est justement dans mon bureau. Je vous la passe. Je suis contente de vous parler, Madame Blondeau. J'ai absolument aucune objection, bien au contraire. Non, il fait tellement beau que de voir un peu la campagne, ça m'excite déjà. Oui, le temps de traverser le pont Jacques-Cartier et j'arrive. Oui, merci. Au revoir. N'oubliez pas ce que je vous ai demandé pour Tom. J'y tiens beaucoup. Je vais lui faire part de ce que vous souhaitez. Vous pouvez compter sur moi. Mademoiselle Bissonnette, étant donné que ce bureau n'est pas encore tout à fait le vôtre, voulez-vous rapporter votre tasse dans la salle de rédaction? Je l'avais oublié. Ok, donc c'est ça, justement, d'où je parlais. Pourquoi on nous fait attendre? Hein? J'en sais bien. J'espère seulement qu'on ne se retrouvera pas dans un autre bingo de salle paroissiale. Il y a des limites à avoir l'air fou. Tout le monde est là, M. Perron. Vous restez juste à nous dire ce que vous attendez de nous autres.
allez savoir ça dans la seconde, le temps que je règle une question de détail. Ça commence pareil comme dans le temps de Blondeau. J'ai l'impression que c'est pas encore cette fois-ci qu'on va sortir du bois. T'as là-dedans tous les mandats dont t'as besoin pour chez Mme Félix. Ils sont valables pour Théoli, Lenoir, Mike Belzil, Kit Quintal. D'après mes informations, tout ce beau monde-là est toujours en train d'y faire caucus. Tu prends les hommes convenus de l'autre côté, puis tu me ramènes ici tout ce qui marche à deux pattes chez Mme Félix. Considérez ça comme déjà fait. Tu montes à Sainte-Marguerite avec les autres? Oui. Non, mais moi, vous. Pas de problème. Comme tu vois, rien de bien compliqué dans ce qu'on entreprend. Comment vous savez que Théoli et les autres sont en meeting chez Mme Félix? T'es sérieux quand tu me poses une question pareille? Mes hommes sont peut-être pas tous des génies, mais sont capables de faire de la surveillance, surtout quand c'est seulement d'une porte qu'il s'agit. Si vous pensez ça, vous risquez d'être surpris. Il n'y a pas juste par la ruelle qu'on peut entrer et sortir de chez Mme Félix. La porte d'en avant est cadenassée. Oui, mais pas celle des immeubles d'à côté, qui, comme par hasard, donne sur la rue de l'Hôpital, ou bien sûr celle du Saint-Sacrement. Quand Théoli dirigeait la police, il utilisait souvent ces entrées et ces sorties-là, c'est du moins ce que j'ai entendu dire. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ben, vous m'avez rien demandé là-dessus. Comme vous m'avez pas informé de ce que vous prépariez pour aujourd'hui, vous m'avez demandé de collaborer, mais vous autres, de votre bord, c'est pas la transparence qui vous étouffe. On a pris notre décision finale seulement ce matin. Merci quand même du renseignement. Je vais demander à mes hommes de boucler tout le quartier. Ben, vos hommes sont déjà partis. Il vaudrait mieux que vous fassiez ça par téléphone. Dans mon char, j'ai tout ce qu'il me faut pour ça. Mais si tu restes ici, le risque est grand que tu manques le plus beau du divertissement. Oh, je suis pas certain que je veux le voir, finalement. Tom, pense à ce que t'as signé hier avec Dessureau et moi. Même Maria Goretti comprendrait où se trouve son intérêt. À cette heure que le set est calé, il reste plus rien qu'à le danser, mon Tom. Rien d'autre. Capiche? Capito. Comment ça se fait que je suis le seul à rester ici? Parce que c'est normal que quelqu'un garde la boutique. Ouais, mais j'ai plus d'ancienneté que bien d'autres. Pourquoi, moi? Parce que c'est ça qui a été décidé aujourd'hui. En route pour la campagne de Russie. Vous pensez que vous allez me passer ça de même entre les dents? Vous vous trompez. J'attendrai pas à la semaine des quatre jeudis pour vous le montrer. Non, certain. Monsieur Théoli, s'il vous plaît. C'est urgence, si vous comprenez ce que je veux dire. Merci. Vous savez bien que depuis tout ce temps-là, le bon Dieu vous a pardonné. Vous devriez en faire autant vis-à-vis de vous-même. Depuis bientôt 30 ans que je vis avec ça comme si ça avait été une plaie morale, ce qui est encore bien davantage insupportable qu'un péché. J'y ai pensé constamment, même quand je me suis retrouvé dans la brousse africaine. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de vivre quotidiennement sous l'emprise de la culpabilité et du remords. Je croyais qu'avec les années, ce serait là des sentiments dont je finirais par être délivré, mais je me trompais. Avec le temps, c'est simplement devenu intolérable. Et ce sont ces sentiments-là qui vous ont fait revenir dans le Canada français de votre jeunesse. Je ne pouvais pas oublier. Je n'ai jamais pu oublier. Régulièrement, je faisais demander des nouvelles de lui. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais comment avez-vous su pour sa naissance? Le Canada français est un bien petit pays, comme vous savez, tout comme son église. On ne s'y aime pas toujours. Un jour, j'ai reçu cette lettre anonyme trop bien écrite pour être désintéressée. C'est à ce moment-là que j'ai mesuré ma faute. Je n'y pouvais plus rien sinon expier. J'ai demandé d'être envoyé en Afrique, ce qui me fut accordé. Le reste, vous le savez aussi bien que moi, quand l'enfant est né. J'avais demandé qu'on ne nous dérange pas. Il faut toujours tout répéter. Est-ce qu'on ne vous a pas dit que j'étais occupé? Oui, mais je dois vous voir maintenant. Excusez-moi, je pensais que vous étiez seul. Mais vous-même, qui êtes-vous?
Complètement. Se peut-il que ce soit vous? Se peut-il vraiment que ce soit vous? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Dieu tout-puissant. Pardonnez-moi. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Ça me paraît pourtant simple, M. Théoli. Depuis le début, Perron n'a pas fait autre chose que de vous tromper. S'il vous a dit que jamais vous seriez incriminé, c'était seulement pour gagner du temps et vous piéger comme il faut. Il trouvera rien chez Mme Félix? J'étais déjà tout seul avec Banjo quand t'as téléphoné. Je parlais pas juste pour chez Mme Félix. C'est rien qu'une partie de l'escouade qui est allée là. L'autre groupe se rendait ailleurs. Où ça? J'en sais rien. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça doit être quelque part à campagne. Téléphone à Harry. Oui, tout de suite. Un détail qui pourrait aussi vous intéresser, je pense. Tom Brosso a passé toute la journée d'hier avec Perron. Tantôt, ils sont même partis ensemble. Ferdinand est avec eux autres? Non, ça serait étonnant, étant donné qu'il s'est fait mettre en prison hier. Ferdinand en prison? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Je vois rien qu'une chose, la ligne a été coupée au chalet d'Harry. Ça peut donc dire... Viens-t'en, pas de minute à perdre. Monsieur Théoli! Connaissance, c'est comme qui dirait pas la bonne journée. Escouade de la moralité, sergent Rossi à l'appareil. Votre chat est pris dans un arbre. À moins qu'il soit tout nu, adressez-vous donc aux pompiers. Depuis le temps que nous servons les autres, nous pourrions penser davantage à nous. Avec tous ces retournements que nous connaissons depuis quelque temps, vous avez manqué autant que moi de loisirs pour le faire. Avec votre accord, nous pourrions peut-être rattraper ce temps perdu. Après tout, nous ne serons pas les seuls à nous occuper de M. Urbain et il a bien davantage besoin de Mlle Auris que de nous. Vous oubliez Mme Fleurange et Mlle Roxane? Vous ne pourriez pas vivre longtemps loin d'elles. Il faudrait bien que je m'y habitue pourtant, et bien plus rapidement que je ne le croyais. Si Mme Fleurange ne change pas d'idée par rapport à son divorce, il faudrait bien que bientôt je trouve à travailler ailleurs. Et Mlle Roxane? Oh. Je crains fort de m'être toujours trompé sur elle. Ah, hier soir, elle a fait appeler une de ses amies pour dire qu'elle ne rentrerait pas couchée. Je sais bien que son amie m'a menti. Quand j'ai voulu la rappeler chez elle, j'ai eu affaire à un vendeur de tapis. Donc j'ai pris sur moi de n'en rien dire à Mme Fleurange, même ce matin. Elle ne m'aurait pas écouté de toute façon, surexcitée qu'elle était par cet avocat avec qui elle avait rendez-vous. Je vais devenir un vieux bonhomme fort ennuyeux, j'en ai bien peur. Il vaudrait mieux que je ne songe qu'à mon travail. Et moi aussi, sans doute. Hein? Pour ce dont nous avons parlé avant, dites-vous bien que c'est à charge de revanche pour moi. Vous avez besoin de nous, Mlle Auris? Pas Auris, Odélie. Urbain veut faire tourner Toupie avec moi. Viens, Urbain. Bonjour. 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 Je le voyais pas de mes propres yeux. Je pourrais pas le croire. Croyez bien que vous n'êtes pas la seule, Mlle Bissonnette. Pour nous aussi, ça nous reste tout à fait incompréhensible. Tout le temps que j'étais en Afrique, je n'ai cessé de penser à vous. C'est pas ce que je vous demande. Je veux seulement que vous me disiez comment et pourquoi c'est arrivé. Je ne voulais pas devenir prêtre. Mais j'étais d'une famille qui en comptait beaucoup et je ressemblais à l'un de mes oncles qui avait été évêque au Manitoba.
Moi, je ne m'intéressais qu'au commerce. Les échanges de marchandises me fascinaient. Et c'est là-dedans que j'aurais souhaité passer ma vie. Mais à mon époque et dans ma famille, on ne décidait pas de son existence. On se contentait d'agir en fonction de ce qu'on attendait de nous, puisque c'était ce que ma famille avait décidé. Je suis donc entré dans les ordres. J'aurais souhaité qu'on m'envoyât au loin, mais ma mère voulait me garder auprès d'elle. Elle était malade. Elle a toujours été très malade. Elle ne pensait qu'à la religion. Et son rêve était de faire de moi un saint. Elle n'écoutait rien de ce que je lui disais de moi. De toute façon, elle n'aurait pas compris ce mouvement qui, même malgré moi, me portait vers les femmes. Je n'y pouvais rien. Je devenais sans ressources dès que je me retrouvais devant l'une d'elles. Un jour, on m'a demandé d'accompagner un groupe de botanistes pour une excursion de recherche sur la côte nord. Nous eûmes pour la première fois l'autorisation de porter le pantalon. Parmi les botanistes, il y avait aussi une religieuse. En dehors de ma mère, c'était la première femme que je voyais vraiment. Je devais éperdument amoureux. Mais j'étais un prêtre et elle, une religieuse, nous ne pouvions pas nous aimer. J'ai alors fait comme certains prêtres que je connaissais et qui secrètement menaient double vie. C'est ainsi qu'avec les années, j'ai fait connaissance avec votre mère. J'aimais lui parler, elle n'était pas comme les autres. J'aimais ce qui était resté intègre en elle, en dépit du métier qu'elle pratiquait. Je n'ai jamais aimé autant de toute ma vie. Mais vous n'étiez pas alors qu'un simple prêtre. Vous étiez rien de moins que l'archevêque de Montréal. J'étais déjà profondément coupable, je le sais. De seulement recevoir votre mère, vous n'en avez pas le droit. Vous essayez de me faire croire que vous faisiez que la voir et parler avec elle. Elle m'a accompagné parfois à l'étranger où j'allais me reposer. À cette époque, votre mère n'était pas encore fixée sur son avenir. Elle ne songeait pas vraiment à devenir ce que par la suite elle est devenue. Elle ne voulait que sortir de la pauvreté, méritait que ça lui advienne. Mais je n'ai pas su résister. Je l'aimais trop. Et cet amour-là ne pouvait se résorber en amitié. J'ai donc donné ma démission et demandé à être envoyé en Afrique. C'est là que j'ai appris pour vous. Je ne pouvais vous abandonner à votre sort, ni votre mère, ni vous-même. Et vous vous êtes servi du chanoine corps. Quand ça s'est produit, Odilon n'était encore qu'au grand séminaire. À l'occasion, il me servait de secrétaire, révisant certains de mes mandements, certains de mes sermons. Tout comme pour moi, c'est sa mère surtout qui rêvait à la prêtrise pour lui. Odilon a longtemps résisté, parce que le monde des arts le sollicitait dans toute sa sensibilité, ce qui convenait peu à un homme d'église, surtout au Canada français. Quand vous êtes né, il a accepté de s'occuper de vous et de votre mère. Il s'est chargé de votre éducation. Je vais voir le registre de la paroisse. Alors, vous n'y trouverez rien, étant donné qu'il a été détruit. Des gens sont venus dans ce presbytère et ont fait disparaître l'inscription de votre naissance et de votre baptême du registre. Pour que personne sache que c'est le chanoine Caron qui avait pris sur lui de tout assumer à votre place. C'est une erreur que nous avons faite, mais qui a été réparée lorsque votre mère a épousé M. Félix Brisebois. Quant à Odilon... Il est devenu chanoine et a pu s'occuper d'art tout à son aise. Il vous aimait. Il vous a toujours aimé, vous le savez. Il a sacrifié sa vie pour vous. Vous voulez dire qu'il le marchandait? Tout autant que vous-même, d'ailleurs. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde tenait tant à ce que je devienne prêtre. Vous pensez que c'était le meilleur moyen pour que le scandale éclate jamais?
Vous auriez fière allure dans vos missions d'Afrique où tout le monde vous prenait pour un saint. On aurait compris pourquoi vous parliez si bien de la pauvreté, de la charité et de l'écuménisme. Toute une vie à faire rien d'autre que mentir, aussi bien à soi-même qu'aux autres. Vous aviez même pas honte! La honte. Éprouvée pour moi-même. Toute ma vie. Autant que la culpabilité et le remords. Pourquoi suis-je revenu au Québec, croyez-vous? J'avais besoin de vous voir. J'avais besoin que vous me pardonniez. Ma vie, toute ma vie n'a été qu'un cauchemar. Vous seul pouvez m'en absoudre. Tout ce que je vous souhaite, c'est que la honte, la culpabilité et le remords vous poursuivent même après votre mort. Et cette mort-là, j'espère bien qu'elle sera pour vous la plus ignoble possible. C'est tout ce que vous méritez. Qu'on vous écrase dans tout ce qui est infâme en vous. Il faut que vous me pardonniez. Il le faut. Je voudrais mieux pour vous vous attacher une meule au cou et d'aller vous jeter dans la mer. Laissez-moi moins vous toucher, juste vous toucher un moment. Touchez-moi pas. Je devrais vous tuer. Pour tout le mal que vous m'avez fait, je devrais vous tuer. Pourriture. Pourriture infâme que vous êtes! Non! Ne faites pas ça, je vous en conjure! Je vous déteste. Je vous déteste tous. Et j'aurais passé de toute ma vie pour vous le faire payer! Vous aviez pourtant promis. Pourquoi avez-vous trahi? Dès que je l'ai vu, dès que je l'ai reconnu, tout a changé en moi. Et l'émotion, je ne pouvais plus la retenir. Il fallait que je m'en confesse. Je n'aurais pu mourir sans l'avoir fait. C'était toutes mes forces. Je m'inquiétais, Odilon. J'espérais avoir des nouvelles de toi dès ce matin. C'était bon signe ou pas? Monseigneur Maisonneuve? Edmond l'a vu? Oui, je comprends. Mais rappelle-moi dès que tu peux. Je compte sur toi. Il est arrivé quelque chose à Edmond? C'est grave? J'espère seulement que Dillon pourra encore une fois nous préserver du pire. C'est qui, Monseigneur Maisonneuve? Quelqu'un qui a beaucoup péché. Comme nous tous. Quel rapport avec Edmond? Pas maintenant, Kate. Une fois que Dillon aura rappelé, pas avant. Même si ça devait être en silence, prions pour Edmond. Je voulais pas vous en parler. Mais j'ai promis jadis de rien vous cacher. Je me trompe sans doute sur les véritables intentions de Godin. Mais je n'en pense pas moins que M. Théoli a manqué de rigueur en faisant commerce avec lui. Il ne pouvait pas agir autrement. Aussi bien avec Paulette qu'avec Bélé Landry, M. Théoli a pris les seuls moyens qui convenaient pour que la maison soit définitivement débarrassée d'eux. Aucun problème n'est survenu à cause de ça. En dehors de nous, personne ne s'intéressait au sort de Paulette et de Bélé Landry. Même pour la maison. Il représentait que de bien petits poissons. Vous savez bien que c'est pas là le cas de Godin. Il a tout planifié avec la police et l'hôtel de ville. C'est bien pourquoi je prétends qu'on ne devait lui laisser aucune chance. Maquiller un accident est moins compliqué que de devoir répondre à la justice. Il n'est peut-être pas encore trop tard pour décider d'une action dans ce sens-là. Constantin et moi, nous sommes prêts à nous en charger. Vous savez bien que c'est impossible maintenant. Avant que vous ne comparaissiez à nouveau devant la cour du recordeur, nous avons quelques jours devant nous. Si on s'occupe tout de suite de Godin... Ça ne serait pas vraiment une solution. Vous pensez à Edmond quand vous dites ça? Il n'est pas encore venu me voir. Et ça m'inquiète bien autrement que ce qui pourrait survenir à cause de Godin. Toute la nuit, j'ai mal dormi. Les mauvais rêves se succédant les uns aux autres. Depuis, j'ai comme un mauvais pressentiment.
Quelque chose ne va pas bien pour lui. J'en suis certaine. Si je peux vous rassurer au sujet d'Edmond, dites-moi ce que vous attendez que je fasse. Vous voulez que je vous l'amène ici? Seulement si Edmond en manifeste le désir. Autrement, revenez simplement me donner de ses nouvelles. Vous n'aurez pas à attendre longtemps. Vous pouvez compter sur moi. Je voudrais que vous remettiez ceci à Edmond, en main propre. Je vais le faire. Merci, Lenoir. Ma soeur. Cette désastreuse lumière noire. Qu'elle s'épuise enfin. Est-ce vraiment trop demandé? Qu'il soit simplement mis à la porte, je trouve que Tom Brosseau devrait être satisfait de s'en tirer à si bon compte. Durant toute la campagne électorale, il a magouillé avec Banjo André et ses acolytes, sans doute dans l'espoir de mettre, grâce à eux, la main sur la patrie. Qu'il devienne maintenant chômeur, ne fera certes pas de tort à personne. Vous n'êtes pas de mon avis là-dessus? Je crois bien que oui. Mais M. Gariepy semble d'un avis contraire, en tout cas depuis ce matin. Et pourquoi donc? Si j'ai bien compris M. Gariepy, Tom serait présentement sur une grosse affaire qui expliquerait son comportement douteux, aussi bien pendant la campagne électorale qu'avant. Cette grosse affaire, ça ressemble à quoi? J'en sais rien. M. Gariepy ayant refusé de me le dire, il m'a seulement assuré que ça aurait l'effet d'une bombe une fois la chose rendue publique. Du coup, Tom s'enverrait tout à fait réhabilité aussi bien à la patrie qu'ailleurs. À moins que Tom Brosseau soit tout à fait différent de ce que je pense, permettez-moi d'en douter. Sur de tels arrivistes, il est plutôt rare de se tromper. Je passe tout de suite un coup de fil à Achille. Comme ça, nous saurons vraiment à quoi nous en tenir là-dessus. Excusez-moi, Madame Blondeau, vous avez du travail et nous savons bien que vous ne vouliez pas qu'on vous importune. Non, à toute fin pratique, nous en avions terminé, Mademoiselle Bissonnette et moi. Vous ne nous dérangez pas. Monsieur Urbain et Mademoiselle Horiz ont quelque chose à vous demander. Urbain demande bateau. Pour aller mieux, Urbain besoin bateau. Odélie, allez sur l'eau avec Urbain. C'est vraiment ce que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Odélie aussi le veut. Pour finir ce que j'ai commencé avec Mademoiselle Bissonnette, il faut que je donne un coup de téléphone. Après, je vais voir ce que je pourrais faire pour le bateau. Hein? Ça te va, Urbain? Oui, ça me va, maman. On retourne jouer avec la toupie, viens. Voir M. Blondeau comme il est, ça me donne des grands frissons dans le dos. Est-ce que ça risque de durer longtemps comme ça pour lui? Oh, mon Dieu, excusez-moi, mais ma question est idiote. Ne vous excusez pas, je me la pose moi-même. Et comme personne ne peut y faire de réponse, il ne nous reste plus qu'à espérer, je crois bien. Oh, maman, c'est depuis le commencement. Tout le monde m'a menti depuis le commencement, aussi bien Chanoine Caron que Harry, que Banjo, que Lenoir et que ma mère. Tout le monde savait de qui j'étais le fils. C'est pour ça qu'on a trafiqué les registres et qu'on a voulu que je fasse un prêtre. Ton père, c'est qui? Oh, s'il fallait que ce soit le mien. N'importe qui, mais pas lui. Pas lui. De qui tu parles? De l'archevêque de Montréal, de Monseigneur Maisonneuve, c'est lui, mon père. L'archevêque de Montréal? Oui, l'archevêque de Montréal. Mais l'archevêque de Montréal s'appelle pas Monseigneur Maisonneuve. Je parle pas celui qui est là maintenant, mais de celui qui occupait sa place au moment où je suis venu au monde. Il faut que tu m'expliques tout ça, là, ça bourdonne trop fort dans mes oreilles. Si ce soit de retour à Montréal, t'auras tout compris, tout comme moi. Mais pour le moment, tout ce que je veux, c'est qu'on s'en aide ici. Non, c'est Chanoine Caron. Vous et moi, on n'aura plus jamais rien à se dire. Il le faut pourtant. Sortez. Sortez d'ici ou je vous jette moi-même dehors. Edmond. J'ai dit dehors!
De m'avoir trompé, le monde va enfin savoir ce que ça va lui coûter. Il y a juste la police qui peut se rendre de votre part. À moins que vous en faisiez partie. Non, on n'a rien à voir avec la police. On vient voir un terrain qui est à vendre au bout du lac. Ça sera pas pour aujourd'hui, vous êtes tenu d'oublier ça puis vous en retournez. Pourquoi faire? Mais parce que ça risque de chauffer tout à l'heure. On se prépare à arrêter des gros poneys de l'affect de Montréal. Vous pouvez pas rester dans le secteur. Je comprends ça. Comme on m'a demandé de tout contrôler, je peux-tu savoir qui vous êtes? Ça se sent que vous avez déjà vu en quelque part. C'est pareil que t'es pas du coin. Sans ça, tu saurais que la moitié des chalets qu'on construit dans Laurentides, c'est à moi qu'on le voit. Mais c'est pas grave. On peut pas te connaître. Malgré vos dénégations, je me doute bien que vous savez où se trouve Edmond. Votre seule présence ici m'autorise à le penser. Aussi, que vous m'en fassiez objection ou pas, je vais donc l'attendre ici. Vous risquez de devoir rester assez bien longtemps. Je ne m'intéresse pas aux suppositions. Est-ce que je peux au moins savoir ce que vous voulez à Edmond? Sa mère m'a chargé de lui remettre une lettre. Donnez-la moi, je le lui remettrai moi-même. Malheureusement, c'est impossible. Cette lettre est donc si importante? Peut-être autant que la raison que vous avez de ne pas me dire où je peux trouver Edmond. Tout ce que je peux m'autoriser à vous dire, c'est qu'Edmond n'est présentement pas à Montréal. À Batiscan, peut-être. Bien sûr. J'aurais dû y penser moi-même. Je vous remercie tout de même de m'avoir accueilli chez vous. Je regrette de ne pas pouvoir vous être plus utile. Bon Dieu, en autobus, paroisse de Saint-Robert. Oui, maman, je te prie. Excusez-moi, c'est confidentiel. Je peux comprendre ça. Je t'écoute, Dylan. Je t'écoute. Un instant. Il y a plein de policiers autour de chez Mme Félix. Il y en a même des rues avoisinantes. Tu sais pourquoi tout ce monde-là est là? Non. Mais je vais pas tarder à la prendre. J'y vais avec toi. La catastrophe, Dylan. Et je crois bien que c'est la plus désastreuse des catastrophes. C'est pas que ça me déconforte que t'aies répondu à mon invitation, mais je m'attendais à ce qu'on soit un peu plus nombreux pour cette petite fête à laquelle je pensais. J'ai dans l'idée que ce que t'as dans la tête n'a pas grand-chose à voir avec une fête. Oh! C'est ce que pense mon ami Victor. Il est bien méfiant, je trouve. Et si je te disais vraiment le fond de ma pensée, j'ajouterais même que ces soupçons me déçoivent, moi qui me comporte dans toute cette histoire-là comme un vrai gentleman. C'est vrai. Depuis que je suis ici, mon amie Sophie et mon ami Harry peuvent en témoigner. Je ne fais que profiter du beau temps, l'eau est agréable, le décor champêtre. Je serais aux oiseaux si je ne me trouvais pas déjà au septième ciel. Aussi, faisons comme nous autres. Assieds-toi. Et bois un petit verre pour cette belle complicité qui nous unit. Si t'as pas d'objection, Harry, je vais d'abord jeter un coup d'œil dans les parages. Après, je téléphone à M. Théoli. À moins d'une urgence, pas de téléphone, Mike. C'est Victor lui-même qui l'a demandé. Pour les parages, j'ai regardé tout ça tantôt. Sauf le sous-sol que, malheureusement, j'ai oublié dans ma vérification. Ah! Peut-être que le gros chaudron de fer de Harry est enterré là. Ça, je serais pas contre de mettre la main dessus, mais comme ça peut attendre encore un petit peu, assieds-toi donc avec nous autres. Monsieur Théoli m'a chargé d'un travail, puis j'entends bien le faire. Pas d'objection, mon Mike. Le chalet est à toi. Je viens avec toi, Mike. Me priver de votre présence? Mais même pour un moment, je n'y survivrai pas. Si ça dépendait juste de moi, ça serait pas mal ce qui t'arriverait, puis ça serait bien mérité. Mike,
Mike. J'ai toujours trouvé que ce Mike Belzile n'avait pas sa place chez Madame Félix. Une telle vulgarité dans une maison de si bon goût. Elle fait de tout pour faire le monde. Bien que ce soit vrai, c'est malgré tout dommage. Aussi bien aller sentir l'arôme des tendres conifères que voilà. Vous m'accompagnez, fabuleuse vaillée. Pour faire l'entrée dans les sous-bois, on est mieux à deux qu'à trois. Je peux comprendre ça. Mais je vous accompagne quand même. Les vœux du maître de ces lieux sont des ordres. Par ailleurs, bien charmant à respecter. Pour notre petite promenade dans les sous-bois, me semblait déjà y entendre le son du corps. Honestly, you are the worst son of a bitch I've never been in my life. De la bouche d'un gentleman, une telle outrance. Tu me chagrines, Harry. Et toi, Tom, tu marches avec eux autres, hein? C'est ça. S'il vous plaît, on tourne. Jette ton arme. Sors de là bien tranquillement, ça vaut mieux pour toi, crois-moi. Pas question que je sorte d'ici. Je veux d'abord parler à Tom Brosseau. Tom Brosseau n'est pas ici en tant que journaliste, mais comme témoin de la couronne. Tu n'as donc rien à attendre de lui. Je m'en doute qu'il n'est pas là comme journaliste, mais je veux y parler pareil. Pour aucune considération, je bouge d'ici. Je ne veux pas me faire tirer comme un lapin. Moi. C'est bien ce que tu mériterais. Je ne répéterai pas une autre fois. Je veux parler à Tom. Jette ton arme d'abord. Va vers la porte, les mains derrière la tête, puis Tom Brosseau va aller te parler, mais pas plus loin qu'en bas de la galerie. Et seulement si tu fais exactement ce que je te demande. Non, je viens de dire non. Va tranquillement vers le chalet, nous autres on s'occupe du reste. Jette ton arme. J'attends que Tom soit devant la galerie, pas avant. Je veux juste y parler, pas tirer sur lui. Tu veux que Tom s'approche, jette ton arme et garde tes mains derrière la tête. Savoir une chose. T'es avec la police ou t'es avec nous autres? C'est plus compliqué que ça. Disons qu'on m'a tordu le bras.